Coucou, bonjour les amis Verseau. Je fais un tirage ce mois-ci. C'est un tirage sentimental pour le mois de décembre 2021. Voilà, comme ça me parle aujourd'hui. Donc je préfère commencer par le tirage sentimental. Je vais le faire assez complet, il dure assez longtemps. Donc voilà. Moi, j'ai voulu vous faire plaisir et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous faire ce tirage. Je voulais vous dire grande gratitude encore pour ma chaîne, l'augmentation voilà, des abonnés. Ça me fait voilà, extrêmement chaud au cœur. Pour tous vos messages, pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites pour moi. Voilà. Donc, nous allons commencer avec un message des... non, excusez-moi, je me trompe. On va prendre la thématique avec l'oracle égyptien, les lames égyptiennes du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Verseau décembre 2021, s'il vous plaît. Voilà, merci. Eh bien, nous avons la roue. Il y a du changement dans l'air. Ouais. Il y a du changement dans l'air. Ça va. Le temps. Changement. Il va y avoir des opportunités. Ouais, il va y avoir des changements pour la team Verseau. Donc, j'avais dit que j'appellerais nos. Comme je suis Verseau, ascendant lunaire poisson. Donc, je ne sais pas comment vous êtes dans les ascendants. Et bon, donc, j'avais dit que j'appellerais la team Verseau. Donc, eh ben, la team Verseau, nous sommes en changement. Voilà. On va avoir des opportunités. Super! Allez, on va prendre un message, communiquer avec ton ange pour voir ce qu'il a à nous dire. Allez, pour les Verseaux, il y a beaucoup trop de cartes. Je vais prendre celle qui est toute seule là-bas. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles, alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ne vous limitez pas, les amis Verseau. Voilà, je vais la mettre là, comme ça. Voilà, allez, on va continuer avec l'améthyste love. Les autres, je les ferai à la fin. Je verrai si le tirage m'a parlé, parce que bah, tout à l'heure, elles ont bien répondu au tirage que j'avais fait pour les balances. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, améthyste love. Pour les Verseaux, décembre 2021. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, décembre 2021. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux, décembre 2021. Là, on parle d'un jeune homme superficiel. Hein. Allez, on va aller voir ce que cela donne en 9 cartes.
manteau de deck, nous avons la consultante. Ou monsieur le consultant. Vous mettez comme ce que vous êtes, hein, évidemment. Et on me dit non. Non, ce n'est pas madame la consultante, c'est donc monsieur le consultant. Il va y avoir une rencontre karmique, là. Ouais, ça va être un succès et c'est quelqu'un qui revient du passé. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà. Il y a eu des addictions. Addictions de toutes sortes, hein, peut-être aussi des addictions affectives, hein. Voilà, mais vous êtes protégé par votre ange gardien, donc voilà, on va aller voir ce que me dit le jeu. Alors, la carte centrale. Voilà, déjà, on, off. Sur une jeune fille superficielle et la ruse. Waouh! Ça fait mal, là. Hein. Ouais, la patience, la tranquillité, les ragots, le cœur blessé. Vous avez un choix à faire. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que Madame Verseau, ou Monsieur Verseau, il s'est mis en on-off parce qu'il avait une relation instable. Il était en relation instable avec une jeune fille ou un jeune homme superficiel, on m'a montré les deux personnes, hein, donc le jeune homme est tombé tout à l'heure, là on parle de jeune fille superficielle, qui vous a quand même blessé le cœur, hein, donc bah parce que y a, bah ça racontait plein de mensonges, quoi, enfin... Ça a peut-être raconté pas mal de mensonges sur vous. On m'a dit qu'il faut que vous restiez patient. Hein? Donc, restez patient parce que c'est votre sagesse, nous les Verseaux. La team Verseau, on est très sage. On a des bons raisonnements. Excusez-moi. Voilà. Donc, ouais. Vous avez été très rusé. Vous avez été très rusé parce que vous allez faire un choix et vous allez avoir la foi de soulever des montagnes. Donc, pour pouvoir retrouver quelqu'un, enfin pour pouvoir retrouver cette personne, alors que ce soit homme ou femme. Hein, on me dit non, c'est peut-être pas un lien karmique en fait. Ah, je me contredis, j'aime pas ça par contre, hein, mes guides. Mais ça sera un succès. Voilà. On me dit non sur le lien karmique. Mais ça sera quand même un succès. Donc, c'est peut-être pas un lien karmique, mais c'est peut-être une âme sœur. Donc voilà. Vous voyez comme ça vous parle. J'ai envie de rajouter des cartes. Est-ce que c'est possible? Je vais peut-être rajouter une carte. Oui, je vais rajouter une carte sur la femme rivale. Oui, il va y avoir un déménagement. Il va y avoir un déménagement, des nouveaux projets. Vous voyez que vous avez la force de soulever des montagnes. Je retourne la carte et on me dit oui. Hein. Donc je ne vais pas aller plus loin sur... voilà, je vais pas aller plus loin sur le tirage. Je dis que vous avez la force de soulever des montagnes, on me répond oui. Et bien, c'est tout, quoi.
et vous allez recevoir des messages, vous voyez. Et vous êtes protégé, vous avez vos guides. Vous avez vos guides avec vous. Donc, mes amis Verseau, le tirage, il est merveilleux. Voilà, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Modestie, modestie quand même. Non, non, mais il est pas mal. Il est pas mal et vous vous en sortez bien. D'ici la fin du mois de décembre, je pense que vous allez retomber sur vos pieds et trouver la personne adéquate qui vous fera ressentir voilà la sérénité quoi. Vous serez en paix, vous serez en paix avec vous-même. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. De toute manière, il y a un changement, hein? On est bien d'accord. Et vous êtes vraiment la team Verseau, vous êtes un cadeau de la vie. Allez, pour les Verseaux sentimentaux, décembre 2021, s'il vous plaît. Sentimental, Verseau, décembre 2021. Allez, tirage en neuf. Ah ben, elles ont voulu venir toutes les deux, donc je vais les prendre toutes les deux. Voilà. En dos de deck, nous avons. Eh oui, on me parle encore de santé. Hein. Là, vous avez le cœur blessé, les blessures du cœur, et là, on me parle encore de santé. Donc, ouais. Il y a eu une trahison. Moi, je dirais peut-être qu'il y a eu une trahison. Mais vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Vous allez prendre le chemin de votre destin. Et ça va être pour une femme ou pour un homme, tout dépend qui vous êtes. Et ça va être votre victoire. Ça va être la victoire. Il va y avoir le changement encore. Voyez, la roue de la fortune. La roue. Le changement. La clé, voilà, vous allez pouvoir ouvrir la porte de votre destinée avec l'ouverture. Des nouveaux projets. Des nouveaux désirs. Non, mais c'est pas mal, hein. Si vous vous débrouillez bien, les Verseaux, la team Verseau, enfin, moi je vous dis ça, mais bon, pour l'instant, bon, enfin, bref. Alors, carte maîtresse, eh ben, nous avons la jalousie. Oui, bah oui, c'était peut-être ça aussi, hein, le souci qu'il y a eu. La femme rivale, voilà, c'était peut-être de la jalousie, hein. Alors, la jalousie, moi, ça va être. Ils peuvent, voilà. La jalousie, ça va être un cadeau pour vous, cette jalousie. Ça va être un cadeau parce qu'en fait, ça va être la fin d'une relation pour en créer une autre. Voilà. C'est tout. Et oui, et on me dit encore, ça va être votre tranquillité. Allez-y, les gens, soyez jaloux. Alors là, hein, franchement, oui, cette jalousie, vous pensiez que c'était que ça allait vous amener à l'échec, mais non, ça va faire votre force, votre tranquillité. C'est pas mal quand même, hein? Vous avez des amis très chers. Et bah, vous avez, oui, la maison, le foyer. Hein, donc, ça se passe peut-être au sein du foyer aussi. Hein.
Mais cette jalousie, c'est un cadeau divin parce que vous allez retrouver vos amis. Vous allez retrouver vos amis et puis vivre en sérénité. Oui, sérénité, ça se dit, oui. Dans votre foyer, quoi, dans votre maison. Non, c'est. Oh là, et vous avez la chance, les amis Verseau. La chance, cette transformation, là. Cette transformation, c'est votre chance. Là, la jalousie, c'est votre cadeau du ciel. Et cette fatalité, c'est votre chance. Parce que vous allez pouvoir créer votre famille, réunir à nouveau votre famille. Et je trouve ça merveilleux. Excusez-moi, je suis enjouée, mais oui, je suis. Quand je suis dans le tirage, je vis le tirage comme vous le vivez, comme vous pourriez le vivre. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Oui, parce que l'échec, il n'y en a qu'un seul qui est à terre. Hein. Vous êtes toujours debout. Hein. Et donc, avec vos amis et votre famille, ça va se consolider, quoi. Donc, non, c'est la jalousie, c'est votre chance, hein, parce que ça va vous permettre de retrouver des amis perdus, peut-être aussi. Ouais, la team Verseau, c'est pas mal, hein? Allez, on va aller voir avec l'oracle. Les rêves enchantés. De ce qu'il a à dire pour les Verseaux. Décembre 2021, sentimental, s'il vous plaît. Décembre 2021, sentimental, Verseau, s'il vous plaît. Décembre 2021, sentimental, Verseau, s'il vous plaît. Allez, mes kids. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la jalousie. Les langues de vipère. C'est reconnu. Là, il va y avoir un écrit, un contrat peut-être, un contrat de signé. Là, on vous parle de patience. Encore. Vous prenez la bonne décision, hein. Et vous partez, grâce à ces assez jaloux, vous prenez la bonne décision et vous partez lentement mais sûrement avec le vaisseau. Il va tout doucement, mais il y va sûrement. Et voilà, et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va. Parce que vous avez la foi, vous y croyez. Voilà, tout n'est pas perdu. Voilà, vous allez vous stabiliser. Oui, c'est ici qu'a voulu venir. Et encore la maison. Et encore la maison et en dos de deck. Et bien oui, c'est le fruit du hasard. Le hasard fait bien les choses. Il va y avoir du mouvement autour de vous. Hein, ça va prospérer. Hein, vous allez prospérer. Vous allez couper tout ce qui n'était plus. Vous allez récolter le bon et laisser le mauvais, on va dire, parce que là, vous allez voir clair dans le jeu de l'autre personne. Et vous avez le soleil qui vous illumine et vos voeux vont être exaucés. C'est quand même pas mal. Un dos de deck magnifique. Donc là, oui, oui, là. Les langues de vipère vont vous faire avec. Bon, j'ai rien compris. La vidéo s'est interrompue. Donc, bon, voilà. Donc, je suis désolée. Ça a coupé sur les langues de vipère, sur les jaloux. Donc, je vous disais que franchement, le tirage n'était pas mauvais en soi. Voilà, je vais faire le médiator. Avant que ça me recoupe au nez. Allez, la team Verseau,
pour la team Verseau, décembre 2021, sentimental. Team Verseau, décembre 2021, sentimental. Allez. Un tirage en 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ah ouais, alors ton ex, voilà, effectivement, et dispute. Bon, et eh ben écoutez, je crois qu'on était en plein dedans. J'ai rien d'autre à rajouter, quoi. Là, les jaloux, hein, vous avez, oui, vous allez, ça va vous permettre de terminer une relation. Eh bien oui, donc ce que j'ai raconté au début n'était pas totalement, et vous êtes dans le changement et le cadeau de la vie, et le cadeau de la vie, regardez-moi ça, il est là, le cadeau de la vie. Oh là là, non mais franchement. Bon allez, hein, parlons peu mais parlons bien. On va voir ce que ça nous dit pour la team Verseau. Allez, hop. La team Verseau, décembre 2021, sentimental. Allez, ça nous dit quoi? En dos de deck. Eh oui, c'était une évidence. Voilà. Non, mais les cartes, elles parlent. Moi, j'adore les cartes parce qu'elles parlent, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. C'était une évidence. Cette relation était vouée à un échec. Donc, voilà. Donc, désolé pour ceux qui vont vivre cette situation. Vraiment désolé. Mais on me dit que c'était une évidence, quoi. Vous allez vous libérer d'un blocage, la team Verseau. Vous êtes à la croisée des chemins. Votre dans le trimestre en cours, donc vous y êtes et vous allez vous transformer, quoi. La transformation, fini les combats intérieurs, quoi. Non, vous dirigez droit vers un grand soleil illumineux, voilà, un grand soleil. Là je crois que moi je suis je crois que mes cartes elles me parlent trop bien. Je suis un grand soleil et le grand soleil, il est là, quoi. Donc, vous avez votre famille et vos amis, les amis qu'on a vus tout à l'heure. Ils sont là, ils sont proches et vous partez sur un amour durable. Sur un amour durable et un bonheur total. Donc, moi, je ne peux là... c'est pour vous, c'est une fin de cycle, hein, le 9, c'est une fin de cycle, donc voilà, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de repos, de reprendre de l'énergie, hein, donc on y va, voilà, vous êtes dans le changement imminent, hein, et oui, votre ex-partenaire, et ben... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de votre ex-partenaire qui vous a menti, qui vous a trahi, qui l'a dit, voilà, vous vous en fichez, vous êtes dans le désintérêt, vous l'oubliez, c'est tout. Enfin, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, je ne fais pas de... Hein, vous avez de la famille proche et ils vont vous aider à oublier cette personne, c'est tout. Et dans l'année en cours, oui. Il vous a votre ex partenaire, voilà, partenaire féminin masculin, et vous a tellement essoré, épuisé que vous avez besoin de soins énergétiques, de bains énergétiques, de besoin d'ancrage, de besoin de vous recentrer sur vous-même. Et là, ça va se passer, ça s'est passé peut-être dans l'année en cours. Mais vous allez pouvoir, excusez-moi, j'ai mon chat qui fait je ne sais pas quoi, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même dans l'année en cours, dans l'année qui arrive là. Donc voilà,
La famille proche, vous allez rencontrer un amour durable, ça va être un bonheur total. Et oui, un changement imminent parce que c'est une fin de cycle et vous êtes dans l'oubli. Voilà, vous oubliez ce qui s'est passé cette année. Et ben, mais bravo, parce que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est tout. Pourquoi tergiverser sur du passé alors qu'on peut très bien avancer et revivre pleinement notre vie et découvrir autre chose de bien meilleur. Voilà. Un amour durable, changement imminent, amour durable, mais pas avec son ex-partenaire. Voilà. L'ex-partenaire, il vous a empêché, il vous a permis de vous transformer, de vous faire le changement. Comprenez? Eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein? Donc, je vais prendre l'oracle lumière pour recouvrir un peu tout ça. Et puis voilà, et puis on terminera par les oracles. Les oracles d'énergie. Chakra du cœur, ou si vous avez une question pour les réponses angéliques, et il y aura une petite lecture avec la voix des âmes. Allez, qu'est-ce que pour la team Verseau, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la team Verseau? Décembre 2021, sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, vous avez la protection quand même, c'est pas mal, hein. Vous êtes protégé, hein. Donc, gratitude à l'univers de nous protéger. Voilà. Allez, hop. Alors, sur le soleil, eh bien, nous avons le printemps. Il va y avoir quelque chose sur l'amour durable, c'est la clé du destin. Oh, c'est magnifique, non? Sur le bonheur total, nous avons les déplacements, les routes. Ben oui, c'est peut-être un bonheur total, mais peut-être à distance. Eh bien, nous avons encore la protection sur la fin du cycle, hein. Oui, parce que vous étiez l'emprisonnement, oui, sur le besoin d'ancrage et tout. Oui, parce que vous étiez dans une. Attendez, je vais ouvrir à mon chat. Excusez-moi, je coupe. Désolée. Alors, oui, alors je disais donc, oui, besoin d'ancrage parce que votre ex-partenaire vous a peut-être. Vous êtes peut-être renfermé sur vous-même, hein. Sur le changement imminent, ben, nous avons la chance. L'ex-partenaire, nous avons quoi? Le cadeau, la récompense. Oui, c'est un cadeau, une récompense, un ex. Il n'y a pas de souci, hein. Sur l'oubli, ben, les idées mélancoliques, oui. Parce qu'on peut dire, oui, on oublie, ça ne nous intéresse plus et tout ça. Mais peut-être qu'à des moments, ben, on revient sur des souvenirs, donc des idées mélancoliques. Et l'année en cours, on a quoi? L'intelligence. Vous avez le chakra couronne qui explose. Eh ben, c'est pas mal comme tirage. Moi, je dis que c'est magnifique. Et nous avons en dos de deck la corne d'abondance. Moi, là, franchement, mais la team Verseau, là, c'est beau. La corne d'abondance, cet hiver en plus. On me parle, ouais, parce que vous avez peut-être été comme envoûté par cet homme ou cette femme, hein. Vous êtes. On me dit, ouais, que vous réussissez à vous en séparer. Vous réussissez à vous en séparer et vous partez sur de nouveaux projets avec l'enfant. Donc, ouais. Voilà. Mais c'est pas mal, hein. Parce que grâce au printemps, ben, le printemps, la clé du destin. Et donc, d'ici ce printemps, ouais, d'ici le printemps, hein, vous allez trouver la clé de votre destin et vous allez peut-être faire plusieurs déplacements.
Vous allez peut-être, parce que la personne habite peut-être pas dans la même région que vous ou dans la même ville que vous. La clé du destin, eh bien, ça va être votre chance et le cadeau, les récompenses. C'est magnifique. Là, ça va être une récompense, mais absolue. Donc, je pense qu'il va y avoir un beau cadeau, un énorme cadeau qui arrive prochainement. Au printemps, bah oui, vous avez la protection divine, donc ça va vous permettre de sortir de votre emprisonnement, là, de votre isolement surtout. Pour certaines personnes, hein, je parle vraiment en général, tous les Verseaux ne vont pas vivre la même chose au même moment. Il y en a qui vont peut-être avoir, au mois de décembre, leur vie, ils vont trouver le cadeau de la vie, ils vont avoir un changement. Ben, d'autres vont peut-être l'avoir qu'au printemps. Hein? Et déplacement, ben oui, parce que ben, vous avez des idées mélancoliques. Peut-être que quand vous vous promenez, ben, vous revenez sur des endroits où vous y allez avec, vous étiez avec votre ex, et puis, mais vous avez l'intelligence de ne pas retomber dans les entraves du passé. Voilà. C'est très beau, c'est très bien. Allez, on va continuer. Je vais sortir le chakra du cœur. On va voir ce qu'il va nous dire en deux cartes, s'il vous plaît. Mes guides. Mes guides, mes guides. Allez, chakra du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? La team Verseau, décembre 2021. Voilà. Sentimental. Voilà. Voilà, en deux cartes, j'ai demandé deux cartes. Il me donne deux cartes. C'est très bien. Eh bien, nous avons le cadeau, encore une fois. Et attention au blocage mémoire karmique. Vous pensez, parce que voilà, c'est ce que je disais, vous pensez des fois au passé. Donc, vous avez des idées mélancoliques. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des idées mélancoliques, donc c'est blocage mémoire karmique. Hein, donc, faites en sorte de couper ces blocages et bah, tout ira pour le mieux pour vous, mes amis de la team Verseau. On va faire les mémoires, les voix de l'âme. Et après, je ferai la question, la réponse angélique. Alors, pour la team Verseau, s'il vous plaît. La team Verseau, décembre 2021. Sentimental, décembre 2021, sentimental, team Verseau, s'il vous plaît. Allez, avons-nous un message pour la team Verseau, s'il vous plaît. Avons-nous un message pour la team Verseau, s'il vous plaît. Non? Avons-nous un message pour la team Verseau. Alors, il y a beaucoup de messages, par contre, là. Il n'y en a qu'une qui sait. La source, ben oui, connectez-vous à la source. Connectez-vous à la source, connectez-vous au divin, connectez-vous à vos guides, à vos anges, à tout, enfin, à ce que vous croyez. Voilà. Et ils seront là pour répondre à vos questions et à vous aider. Voilà. Je comprends ça comme ça et je trouve que c'est bien résumé. Alors, ça dit, tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Donc voilà, tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien, qu'importe où tu te trouves. Voilà, vous êtes dans la mélancolie.
Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal. Le chakra coronal qui a explosé tout à l'heure, hein, on l'a vu. Voilà. Le chakra couronne qui a explosé, donc c'est bien. Et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter les pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux, et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui, et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir... excusez-moi. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Et ben voilà, c'est tout. Ça résume tout le tirage. Voilà. Moi, je suis émerveillée de voir comment mes cartes me parlent. Allez, posez-vous une question, je vous réponds avec les réponses angéliques. Et après, je vous ferai une petite prière des anges pour vous faire le plein d'amour. Allez, petit Verseau. Voyez, on vous dit pardon. On vous dit pardon, hein. Allez, pour la team Verseau, quelle est la réponse, s'il vous plaît? Voilà. Et ben, le pardon. Je vais en tirer une autre. Alors, pour la team Verseau. Merci. Voilà. Alors, pardon. Dans un avenir rapproché, peu probable. Alors, ce que ça veut dire que si vous vous pardonnez pas, il faut vous pardonner et dans un avenir rapproché, peu probable. Pourquoi peu probable? C'est le peu probable qui me bloque. Alors, là, il y en a trop. Donc, je vais prendre une carte au hasard. Demandez à vos anges. Et ben voilà. Demandez à vos anges. Voilà. On vous dit depuis tout à l'heure de vous reconnecter à la source. Donc, pardonnez. Demandez le pardon, même juste demander pardon à la source, hein, à l'univers. Demandez pardon. Dans un avenir rapproché, si vous ne faites pas ce pardon, peut-être que il est peu probable, il est peu probable que votre souhait se réalise, mais demandez à vos anges. Demandez à vos anges de vous. Faites des demandes à vos anges, à vos guides, à l'univers. Voilà. On vous dit de vous reconnecter à la source. Et vous allez avoir le cadeau de la vie. Vous êtes le cadeau de la vie. Donc, et vous allez être. Il va y avoir. Voilà. Vous êtes sur la roue. Donc, voilà. Vous tournez. Vous faites un tour de roue. Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas. À se mettre la rate au corbouillon, comme je dis tout le temps. Mais bon, je me la mets de temps en temps aussi, hein, étant dans la team Verseau. Allez, je vous fais une petite prière pour vous faire le plein d'amour.
Allez, la team Verseau pour décembre 2021. Voilà. Allez, une petite prière d'amour, une petite prière pour les Verseau, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai deux, comme l'autre signe. Tout est possible. Ça, c'est bien quand je. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Eh bien, écoutez, moi, je veux bien hein, qu'il arrive vite. Hein. Et la chance, en plus, on a la chance, le 22. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. Donc, demandez à vos anges. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie. Oui. Et non, de penser que l'amour est seulement pour les autres. Non. L'amour n'est pas que pour les autres. Chaque être sur terre, homme, femme, sont faits pour se retrouver. Donc oui, l'élu de votre cœur est sur votre chemin de vie. Il arrive, il met son temps, mais il va arriver. Voilà. Donc moi, je sais que le mien, il arrive. On m'a donné 2 ans encore. Donc, mais. J'y crois fortement. Donc, je sais qu'il arrive et je sais que je le rencontrerai. Et voilà, oui, vous allez rencontrer votre amour, l'élu de votre cœur. Il est sur votre chemin de vie. Donc, vous vous dites, je suis la chance, je mérite la chance. Et la prédiction, un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Voilà la team Verseau. Eh bien, écoutez, si le tirage vous a parlé, ben, merci de commenter, de liker, de partager. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Moi, je vous fais des gros, gros bisous et à très bientôt. Je vous kiffe et je vous kiffe.